Et salut tout le monde, c'est Sinoir. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les guêpes paulistes. Et ça faisait un moment que je n'en avais pas fait parce que bah, tout simplement le temps a été particulièrement pourri, hein, puisque depuis un mois elles n'ont quasiment pas pu travailler, puisqu'il a énormément plu. Ensuite il a fait très froid, et puis ensuite il a neigé carrément. Pour ensuite, alors j'essaie de filmer la guêpe en même temps, qui est en train de ramasser des petits morceaux de bois pour faire le nid. Et donc ensuite, oui, il a neigé, puis après il a refait gris pendant des jours et des jours. Et contrairement aux abeilles et aux bourdons qui peuvent travailler quand il fait plutôt froid ou quoi, les guêpes, elles ont vraiment besoin de grand soleil et de chaleur pour travailler. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le point donc un mois après, sur toutes les installations par exemple de là-bas, voir ce que sont devenus les nids de guêpes. Donc ça je vais le faire ce soir, donc je vais faire un montage. Donc je vais commencer par ça, faire le point sur les nids de guêpes qu'il y avait et puis peut-être des nouveaux. Et puis ensuite, pour ces pots de fleurs que vous avez déjà vu, l'installation, j'ai carrément amélioré le système d'observation, puisque maintenant je peux observer ce qu'il se passe dedans sans décrocher les pots. D'ailleurs je vais vous montrer maintenant en gros le système. Hop, voilà, j'ai fait des trous dans le bois de l'autre côté, et donc vous pouvez le voir, moi avec le reflet je vois pas grand chose. Voilà, j'ai découpé le bois, j'ai commandé deux plaques de plexi pile poil à la taille du meuble, et donc ça me permet de voir ce qui se passe dedans. Donc à la fin de la vidéo je vous mettrai des extraits de ce qui se passe, et c'est vraiment passionnant de pouvoir regarder ce qui se passe à l'intérieur au moment où l'activité est à son maximum. Donc là je suis entouré de xylocopes qui volent dans tous les sens. D'ailleurs il y a un couple là-bas. Je vais essayer de vous le filmer en direct. Alors, c'est au-dessus de l'arrosoir. C'est là. Non, c'est pas là. Donc, peut-être que vous le voyez. Non, ils se sont envolés. Bon, tant pis. De toute façon, vous pouvez voir que les xylocopes eux aussi sont en pleine activité. Ça vole de partout. Évidemment, quand je dis ça, il n'y en a plus. Mais... bon, enfin bref. Ouais, il y en a un là. Voilà. Ça me tourne autour. Donc voilà. Donc je vous dis à tout de suite. Nous allons passer à l'inspection des nids vite fait, qui sont placés un peu partout, pour voir un peu l'évolution, et il y a eu pas mal de changements. Il y a des nids comme par exemple ceux-là, je ne les ai pas regardés depuis très longtemps, donc depuis facilement 3 semaines. Même s'il a beaucoup plu, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution j'imagine. On va voir ça parce que je suis curieux de savoir un peu ce qui se passe dans ces deux boîtes. On va commencer par ça d'ailleurs. Alors je vais placer le caméscope, et puis j'arrive avec les nids pour voir ce qui se passe. Allez, c'est parti. Alors, celui-là, la boîte abritait un ancien nid qui avait été abandonné. Il y avait deux guêpes qui s'étaient mises dessus, mais le nid était à moitié mangé pendant l'hiver, quoi, par les insectes. Et du coup, je ne sais pas trop ce qu'elles font sur ce nid. Alors, je ne sais pas si elles sont parties ou si elles sont encore là, si elles l'ont... Enfin, je ne sais pas du tout. Voilà. Alors là, pour l'ouvrir, par contre. En plus, je prends des risques parce que c'est le dernier nid qui est ensoleillé, celui-là. Donc, il y a une demi-heure, il était encore au soleil. Alors, je suis vraiment curieux de savoir... Non, ouais, d'accord. Donc on a toujours deux guêpes ensemble. Sur, on voit le reste du nid qui a été mis en miettes là. Alors je vais essayer de bouger le trépied, du coup ça va être pratique. Voilà, on voit au fond de la boîte les restes du nid, hein, notamment là. Alors j'avoue que je ne comprends pas du tout ces deux guêpes. Donc, on va essayer de replacer, oula, le trépied. Et donc là, voilà, on peut voir que les deux guêpes sont sur le reste de pied du vieux nid.
Et là aujourd'hui c'est la première journée ensoleillée où elles auraient pu travailler un peu ou quoi, mais apparemment elles n'ont rien fait. C'est dingue. Je ne comprends pas du tout ces deux guêpes qui s'installent ensemble sur un reste de nid pourri. Alors là, bon ben, ce sera intéressant de savoir ce qu'elles vont se décider de faire finalement. Allez, nid suivant. On va le mettre sur le côté. Non, on va le mettre là-bas. Allez, je reviens avec l'autre nid vite fait. Alors là, une guêpe seule avait niché, si je me souviens bien. Alors là, la boîte est complètement défoncée parce qu'elle a pris la pluie toute l'année dernière. Alors logiquement, elle peut encore être là. Oui, en plus, je l'ai vu rentrer il y a une semaine à peu près. Il y a le fond qui décroche et tout. Ah bah, surprise, il y a... Je regarde bien si la guêpe n'est pas dans un coin. Non. Le nid a été abandonné. Alors ça, c'est une surprise. Et il a été mité au fond, déjà, il y a déjà un trou. Ah ouais, c'est dommage ça. Hop, bah voilà. Le toit s'est décroché. Bon bah voilà, comme ça au moins. Je pense pas que je vais le remettre en place. Hein. On va juste essayer de voir, bon, du coup on va virer la boîte, on va juste essayer de voir s'il y avait des larves ou quoi dedans. Ah, la luminosité n'est plus très bonne maintenant malheureusement. Non, trop zoomé l'acide. Hop, on va essayer de mieux le cadrer, mais bon. Je sais pas si on verra quelque chose, mais... Ouais, bon. Bon, mais tant pis. Un nid perdu, un de plus hein, j'ai envie de dire, parce que vous allez voir. D'ailleurs je vais décrocher le caméscope du trépied et on va regarder les autres nids. Parce que là depuis la dernière vidéo il s'en est passé des choses. Hop, on enlève le trépied, on a des zooms peut-être aussi. Alors du coup, on va commencer par quoi? Alors par cette boîte Betty Boop là, ce casier. Alors ça fait plusieurs semaines qu'il y a une guêpe qui rentre dedans. Bon, elle est toujours au même endroit. Pareil, il y a des guêpes quand même qui sont curieuses. Hein. Et avec le contre-jour derrière, je sais pas ce que ça va donner. Voilà, vous devez voir une guêpe dans le coin là. Voilà, la mise au point, voilà, c'est mieux. Bon, enfin bref, dans le coin là, il y a une guêpe. Voilà, et depuis elle reste dans cette boîte. Elle rentre, elle sort, mais elle ne fait pas de nid. C'est voilà, encore une guêpe curieuse. Peut-être se décidera-t-elle. Il serait temps parce que les autres ont pris de l'avance maintenant. Hop, on referme ça. Alors là, on a la boîte à thé. Je ne sais plus si j'avais déjà filmé ce nid. Il a été fait dans les derniers. Et il est l'un des plus gros. Elle est toute seule pourtant. Mais elle travaille très très bien. Regardez la taille du nid quand même. Pour une guêpe seule qui a commencé bien plus tard que les autres, c'est quand même pas mal du tout. Alors, il faut vraiment que j'arrête de faire des vidéos tard le soir parce que on ne voit plus grand chose. Ouais, je suis pas sûr qu'on verra quelque chose. D'ailleurs même moi l'œil nu. Ah oui, il y a des larves, d'accord, ok, voilà. Allez, mise au point, reviens. Voilà. Ouais, alors il y a des larves, il y a des larves au fond, alors, elles sont toutes petites. Hein. Oh, ça grince là-dedans. Voilà, alors là-dedans j'ai regardé avant parce que c'est galère à ouvrir, il n'y a rien par contre. Là, dans cette boîte, alors oui, il y a eu... Alors, oui. Hop. On va virer ce nid abandonné, tant pis. Alors, il y avait, oui, au début, il y avait toutes les guêpes, les jeunes reines qui s'étaient réunies dedans. Puis après, elles étaient parties. Puis ça avait niché. Ça avait fait, voilà, on peut voir les différentes. Alors, attendez, je vais poser là, comme ça, je vais pouvoir filmer comme ça.
Voilà, donc il y a eu un départ de nid. Puis il a été abandonné. Puis une s'est installée là et a fait un nid. Puis elle l'a abandonné. Puis une autre guêpe a décidé, mais ce nid, cette boîte, elle est vraiment bien. Et du coup, elle s'est installée et elle, pour de bon, ça semble bien parti. Ah, elle s'est installée dedans et là, bon, ben voilà. Cette fois-ci, c'est la bonne. Ensuite, d'ailleurs, une fourmi. Oui, il faut dire qu'elles ont été beaucoup dérangées par les crématogastères aspétellaris, comme on peut en voir une là. Elle m'y fait penser, elle est cachée derrière le nid. Voilà, elle ressort. Parce que la boîte était sur le passage des crématogastères, du coup, elles n'arrêtaient pas de rentrer dedans. Et je pense qu'elles elles ont aussi participé à l'abandon de la boîte pour les autres nids. Mais elle, elle est plus courageuse et elle doit bien défendre son nid. Hop. Alors, du coup, ça marche pour l'instant. Alors, cette boîte à mouchoirs qui a fait le succès de l'année dernière, ça fait très longtemps que je n'ai pas regardé ce qui se passe. Hop. On ouvre. Le vieux nid est toujours là. Ouais, alors là, c'est un peu la déception quand même parce que. Donc, une reine s'était installée là. Elle avait commencé à faire le nid, puis elle l'a abandonné. Puis une autre s'est installée là. Bon, on peut voir qu'elle avait fait des amorces un peu partout. Hein. On avait fait une là, une là, une là. Puis finalement, elle s'était décidée là. Et puis finalement, pareil, nid abandonné. Alors, guêpe tuée ou. Voilà. C'est impressionnant quand même. On peut voir là le nombre de nids qui peuvent être abandonnés. À chaque fois, on croit que c'est gagné, et puis non. Et puis voilà, je fais tout le tour là. Et il reste plus que. Oui, les. Alors là, ça fait très longtemps que j'ai pas regardé non plus. Vous voyez là assez vite parce que j'ai pas eu spécialement d'activité. J'ai toujours pas mis de poignée d'ailleurs sur ces boîtes. Non, rien, à part une crématogastère. Hein. Qu'est-ce que tu fais là toi Non, pas de mise au point, tant pis. Hop, il y a assez de lumière, je pense. Ensuite, là, allez, j'y vais avec les doigts. Hop, rien du tout. Ça, là, on va le laisser dehors. Pour attraper les autres plus facilement. Hop. Oui, là, il y a eu un début de nid. Qui, pareil, a été abandonné, hein, encore une fois. Plus des amorces à côté, mais. Ah ouais, encore un nid abandonné. Là aussi, je crois qu'il y en avait un. Non, pas du tout. Bon, ok. Là, si vous vous souvenez bien, c'était très intéressant. Il y avait deux nids collés l'un à l'autre. Deux petits nids commencés. Alors, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste. Ouais, alors voilà, l'autre petit nid a été abandonné. Alors je pensais que les deux reines allaient se réunir ensemble, ou. Bah non. Et. Alors. Là, on peut voir des larves, mais. Va-t-on les voir ? Je vais essayer de zoomer. C'est marrant parce que les larves, elles sont. Jaunes. Jaunes un peu fluo, c'est bizarre. Non, j'essaye de pas trop bouger, mais je suis pas un trépied, moi. Voilà, vous pouvez deviner les larves au fond des alvéoles. Je vais essayer de zoomer encore un peu plus. Oh, on doit les voir un petit peu. Ça, voilà. Donc c'est le début de l'apparition des larves, donc les nids vont plus trop grossir maintenant. Parce que les reines bah, passent du temps à nourrir les larves, hein, donc voilà. Et quand ils ont perdu énormément de temps, puisqu'il a plu pendant des semaines et des semaines et des semaines sans soleil, voilà. Bah, du coup, maintenant, ils sont obligés de s'occuper des larves sans avoir fait des gros nids. Enfin, de toute façon, quand elles sont seules, elles font pas des gros nids. Bon, enfin bref, voilà. Donc, je crois que j'ai rien oublié. Ah si, on va se retrouver. Oui, j'ai vu qu'il y avait un aglo sur un toit où il y avait.
un ancien nid guêpe de l'année dernière qui a fait beaucoup beaucoup de reines. Et du coup, toutes ces reines cherchaient à nicher à côté de cet agglo. Et du coup, j'ai installé des petits nichoirs vraiment à l'arrache. Et ça a un peu marché. Et donc, je vais vous dire ce que je vais faire de ces nids-là. A tout de suite. Donc voilà, on change pas les... J'ai envie de dire les nids qui marchent. Donc, un simple pot de fleurs contre un agglo. Alors, l'agglo où il y avait toutes les reines qui sortaient et qui cherchaient à renicher dedans, c'est l'agglo là-bas. Hop là. Voilà. Celui-là, il doit avoir un nid énorme ou plusieurs nids au fur et à mesure des années qui se sont installés. Et du coup, voilà, une grosse population de rennes qui sortaient et qui cherchaient à nicher. Et du coup, elle cherchait à nicher dans les alentours, dans les agglos là et tout ça. Je me suis dit, tiens, c'est l'occasion d'essayer d'avoir quelques nids. Donc, du coup, j'ai posé cette boîte que j'étais sûr qu'une guêpe allait nicher dedans. Bah, pas du tout. Une boîte en bois en plein soleil, mais non. Par contre, le pot de fleurs. Il n'y a rien de mieux. Hop, et voilà. Et en plus, ça a un très beau nid. Hein. En taille, alors elles sont deux. Là, on n'en voit qu'une, mais la deuxième est cachée derrière. Et le nid est vraiment pas mal du tout. Et alors, un autre que je ne pensais pas. Attends, j'essaie de reposer bien le pot de fleurs quand même. Voilà, comme il repluque, ça ne prenne pas trop. Voilà, donc je vais installer des boîtes en carton. Avec un trou, des boîtes de VHS, tout ça, bon, ça n'a pas marché. Et puis j'ai mis cette boîte rose, je me suis dit, tiens, bon, si elle veut rentrer dedans, vu que ça accumule la chaleur au soleil. En fait, non, mais. Je vais essayer. Comment je vais faire ? Voilà, un bout de bras. Hop. Oula, si vous allez le voir, le nid, voilà, il est accroché dessous. Voilà, c'est pas foulé, elle a fait un nid. Oula, je crois que j'ai touché le nid. Hop. Bon, je le remettrai bien tout à l'heure. Voilà, donc elle a fait un nid sous la boîte en plastique. Voilà. Donc en fait, ces nids-là, je vais les récupérer. Et je vais essayer de les installer au potager. Alors, un endroit plutôt loin de là où on passe, hein, pour qu'elles soient tranquilles et nous aussi. Mais voilà, voir les guêpes au-dessus du potager, parce que j'ai un muret au soleil, et voir les guêpes descendre dans le potager pour chasser des insectes, ça peut être pas mal. Et j'ai vu que j'avais aussi des nids dans cet agglo là. Alors tous les ans, il y a des guêpes qui nichent dans cet agglo, et tous les ans, les nids se font défoncer par les oiseaux ou je ne sais quoi. Hop, je ne sais pas si on va voir quelque chose. Voilà, oui, on voit là, un nid. Donc, il sera assez facile à récupérer tant qu'il n'y aura que la reine. Et à côté, et alors celui-là, il est pas mal du tout en taille. Je ne sais pas combien elles sont dessus. Peut-être qu'on le voit dans la vidéo, moi je ne vois absolument rien. Hein. Mais celui-là est... Ah oui, on voit mieux comme ça. Oui, on en voit au moins deux, ou trois, oui même. Il me semble voir deux dessus et une dessous. Voilà, donc ceux-là, je pense que je vais essayer de les récupérer. Plus celui-là. S'il y a encore une guêpe dessus, je vois pas. Voilà, ça peut être sympa. Et puis voilà, ce sera tout pour cette vidéo qui est peut-être interminable. Je sais pas à combien de minutes on va être, mais bon. Donc là, alors oui, ça résonne parce que je suis dans le meuble. Mais du coup, voilà. Donc là, nous avons le nid numéro 1, enfin dans le pot numéro 1. Donc là, la guêpe est partie travailler. Donc voilà, on peut juste observer la taille du nid. Et d'ailleurs, je trouve que la mise au point n'est pas terrible. Allez, place au prochain nid. Alors là, nous avons le nid dans le pot numéro 10. Alors là aussi, c'est un test. Hein. Je m'améliorerai parce que là, franchement, je ne sais pas pourquoi le caméscope. Apparemment a du mal à faire une mise au point sur le nid, donc je sais pas pourquoi, il faudra que je vois ça. En tout cas, c'est un très beau nid pour un nid à deux qui a deux reines, hein. Deux reines qui se sont unies pour faire le nid, donc c'est pour ça ça explique un peu la taille du nid, mais enfin voilà, un bien beau nid, j'ai envie de dire. Voilà. Donc là, nous avons le pot de fleurs numéro 8.
avec une reine seule en train de faire son nid. C'est une des dernières qui s'est installée. Et nous allons finir par le pot numéro 7, le gros pot de fleurs. Et là, il y a une grosse surprise. Et voilà donc le dernier nid. Le nid est dans le gros pot de fleurs. Et là, vous pouvez voir que le nid est absolument énorme. Il y a une explication, c'est que au début, donc, il y a une ou deux reines qui se sont unies pour faire le nid. Et puis finalement, 3, 4, 5, 6, 10, et au maximum, j'en ai compté 12. 12 reines qui se sont unies pour faire le nid. Donc je vous laisse imaginer, bah, du coup, normalement, il y a une reine qui domine et l'autre qui fait le rôle d'ouvrière, on va dire, qui est dominée. Quand elles sont deux, mais alors là, à 12, je ne sais pas si une domine toutes les autres. Mais en tout cas, voilà, le nid est absolument énorme pour la saison, hein, puisque il est presque aussi gros que le nid de fin de saison de l'année dernière. Et on peut voir que voilà, l'entente est plutôt bonne, et que beaucoup de futures reines, enfin de reines, travaillent, hein, partent chercher du bois, de la nourriture. Donc du coup, ça nous donne un nid assez exceptionnel pour la saison. Voilà, on peut voir un peu mieux là. Alors je ne sais pas, à la fin de la saison, qu'est-ce qu'il va donner, parce que si toutes ces reines continuent à s'entendre, du coup il va y avoir énormément d'ouvrières qui vont naître dès le début, hein, parce qu'on peut voir le nombre d'alvéoles, c'est assez hallucinant. Et en regardant de près, bon là je peux pas trop avec le caméscope parce que c'est pas pratique, je suis dans le placard donc je suis un peu serré, mais il y a déjà un gros nombre de larves au milieu du nid. Donc voilà, affaire à suivre, mais ce nid est vraiment, ça va être vraiment passionnant à suivre, parce que ça, franchement, j'ai jamais vu d'union de... Alors j'imagine que c'est beaucoup des reines du nid l'année dernière, hein, parce qu'elles sont sœurs, donc elles se supportent. Mais voilà, c'est vraiment le... Ah, il y en a une qui arrive, on va essayer de la filmer, voilà. Et il y en a même deux qui arrivent. Désolé pour le téléphone. Voilà, donc elle marche le long du pot, parce que l'entrée est assez loin, pour rejoindre le nid. Alors c'est marrant, parfois on les voit revenir avec des petits bouts de... Ah ben voilà, avec un petit bout d'insecte, donc il y a une autre qui essaie de les prendre un peu. Parce que là du coup, avec toutes les larves, il faut les nourrir, mais comme elles sont nombreuses, du coup, pas de problème. Donc là voilà, elles sont à 3 du coup, on le voit, c'est intéressant à faire une sorte de bouillie avec le morceau d'insecte qu'elle a ramené. Une fois qu'elles ont fait une bouillie, bah, elles le donnent aux larves. Voilà, on voit l'ouvrière là, enfin l'ouvrière. La fondatrice qui cherche une larve qui a faim et hop, voilà. Et voilà, c'est assez hallucinant de voir ce nid aussi énorme avec autant de guêpes alors qu'on est vraiment au tout début du printemps et que les premières ouvrières ne sont pas encore nées, quoi. Allez, on se quitte sur ces images et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.